L'Arabie saoudite a montré ce qu'elle disait être les débris de l'attaque, y compris ce qu'elle a appelé un drone iranien à aile Delta et des missiles de croisière Ya Ali. Cette attaque ne provient pas du Yémen, malgré les efforts de l'Iran pour le faire paraître. Leur collaboration avec leurs mandataires dans la région pour créer ce faux récit est claire. Deuxièmement, l'attaque a été lancée depuis le nord et était sans aucun doute parrainée par l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est envolé pour l'Arabie saoudite. Il était encore plus direct, qualifiant ces attaques d'actes de guerre de l'Iran. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis augmenteraient les sanctions contre l'Iran, promettant des détails dans les prochaines 48 heures et répondant aux questions des journalistes. Il a laissé ouverte l'option d'une action militaire, comme le demandent certains de ses partisans. Eh bien, il y a beaucoup d'options, comme tu le connais, Phil. Il y a beaucoup d'options. Il y a l'option ultime. Il y en a beaucoup moins que cela. Et nous verrons. Nous sommes dans une position très puissante. Les rebelles yéménites houthistes insistent pour dire qu'ils ont mené les attaques du week-end dernier qui ont réduit de 50% la production de pétrole de l'Arabie saoudite. Ils ont appelé cela des représailles contre la guerre au Yémen menée par les Saoudiens, qui ont tué des dizaines de milliers de personnes et poussé le pays au bord de la famine. L'Iran nie l'attaque et affirme que la coalition saoudienne est responsable. Nous ne voulons pas d'un conflit dans la région. Qui a déclenché le conflit? Pas les Yéménites. Ce sont l'Arabie saoudite, les Émirats, les États-Unis, certains pays européens et le régime sioniste qui ont déclenché la guerre dans cette région. L'Iran est le théâtre de cette crise et intensifie son enrichissement en uranium à la suite de la décision des États-Unis de se retirer unilatéralement de l'accord nucléaire international de l'année dernière. Même la semaine dernière, il y avait des attentes que les dirigeants des deux pays pourraient se rencontrer, ce qui semblait être une perspective lointaine maintenant.